Allons, qu'on détale de chez moi, maître Jour et Filou, un gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu vas me rentrer tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi pour la rame demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Il a fait, je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Eh bien, va-t'en l'attendre dans la rue, ne sois pas dans ma maison planté tout droit comme un piquet, observer tout ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne pourrais t'avoir sans cesse devant les yeux un espion de mes affaires, un traître. Dans les yeux maudits, assiège toutes mes actions, dévore tout ce que je possède, et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Et comment voulez-vous, diantre, qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable? Quand vous renfermez toute chose et faites sentinelle jour et nuit. Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Mais non, quelqu'un, je ne dis pas ça! Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas. Si pour nous, c'est la même chose. Tu fais le raisonneur, hein? Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles! Sors d'ici encore une fois! Eh bien, je sors! Attends! M'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains! Les voilà! Les autres. Les autres! Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez-vous-même! Oui, ces grands hauts de choses sont propres à devenir les recelleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais bien qu'on eût fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme celui-là mériterait bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie de le voler. Comment? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire! La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? Ce que je dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Mais de qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela! Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette! Empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent! Tais-toi! Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Non mais te tairas-tu? Oui. Malgré moi. Voilà une autre poche. Êtes-vous satisfait? Rends-le-moi sans le fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément? Assurément. Adieu! Va-t'en à tous les diables! Me voilà fort bien congédié. Ouais, je te le mets sur ta conscience, au moins! Voilà un poignard de balai qui m'accommode fort. Et je me plais pour avoir ce chien de boiteux-là. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe paient le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie.
femmes sont semblables par les paroles et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux. Mais donnez-moi le temps de vous convaincre par mille et mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Oh, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Mais alors pourquoi cette inquiétude? Mais je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite appuyé du secours, d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes, ces soins pleins de tendresse que... Ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau et les hommages assidus de cet ardent amour qui arrête vos pas et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Oh, pardonnez-moi, Charmantelli, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Et si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience. J'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Oh, ne bougez d'ici, Valère, je vous prie, et songez seulement à vous mettre bien dans l'esprit de mon père. Vous voyez comme je m'y prends et quel personnage je joue chaque jour avec lui afin d'acquérir sa tendresse. Ah, la sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas de la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi de gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? Non, on ne peut pas ménager l'un et l'autre, et l'esprit du père et l'esprit du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère. Servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler. Ah, je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur. Enveloppées dans un mot... J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à des volontés. Que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour. Que le ciel les a fait les maîtres de nos voeux et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur. Ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre. Qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire. Car enfin, mon amour ne veut rien écouter et je vous prie de ne point faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non. Mais j'y suis résolue, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Mais suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Non, ne parlons point ici de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque du moins une fois en sa vie, et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Oh, plutôt ciel que votre âme, comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se... Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions.
Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable, une... Oh, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites, et pour comprendre qui elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées, et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oh oui, je conçois assez, mon frère. Quel doit être votre chagrin? Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Et si, pour m'entretenir même, il faut que maintenant je m'engage de tous côtés? Si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables? Enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder un père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que... J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour terminer notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Certes. Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent, et bien heureux qui a tout son fait bien placé. Il ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison et une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Et je veux jamais m'y fier. Il tient justement une franche amorce à voleur, et c'est toujours la première chose qu'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or, chez soi, est une somme qui ne devrait jamais dire. Je me serais trahi moi-même. La chaleur m'a emporté, je crois que j'ai parlé ou en raisonnant seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Non. Quoi? Ben là, ce que je viens de dire! Non. Ah, si fait, si fait. Je vois bien que vous en avez, oui, quelque chose. Pardonnez-moi, C'est que je m'entretenais en moi-même de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais, bien heureux, qui peut avoir 10 000 écus chez soi? Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginez... Que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons point dans vos affaires. Ah, plutôt celle que j'ai juste 10 000 écus. Je ne crois ça pas. Ça serait une bonne affaire pour moi. J'en aurais bon besoin. Je pense que... Ça m'accommoderait fort. Vous êtes... Et je ne me plaindrai pas comme je fais que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment assez de biens? Mais ce qu'on en parlait ainsi, on a menti. Ce n'est rien de plus faux. Ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez point en colère. Ah, c'est bien étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui. Pareil discours. Et les dépenses que vous faites seront cause qu'un jour, vous viendrez chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Est-il rien de plus scandaleux que ce sont deux équipages que vous promenez par la ville? Je querrais les dire à votre sœur, mais c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel. Il va vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y a de quoi faire une bonne constitution, je vous le dis 20 fois, mon fils. Vos manières me déplaisent fort. Et vous donnez furieusement dans le marquis. Pour aller ainsi vêtu, faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérober? Que sais-je?
Pouvez-vous donc rendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue, et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Eh bien, c'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous devriez en profiter, et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Tiens, je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans, là, dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête. Je gageais qu'en soirée et rubans, il y a bien du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année. $18, 6 soldes et 8 deniers. Hein, ne placez qu'au denier 12. Vous avez raison. Mais laissons cela et parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Ah, j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous voudrions vous parler. Oh, c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, oh, mon père! Eh bien, pourquoi ce cri, ma fille? Est-ce le mot ou la chose qui vous effraie? Le mariage peut nous faire peur à tous deux, de la façon que vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez pas. Je sais ce qu'il faut à tous deux, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Mais pour commencer par un bout. Avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne, qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Hein? Et eux? J'en ai oui parlé. Que ressemble mon fils de cette fille? Une fort charmante personne. Ah, sa physionomie. Tout honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière. Admirable, sans doute. Ne pensez-vous pas qu'une fille comme ça la mériterait assez que... Que l'on songe à elle? Oui, mon père! Ce serait un parti souhaitable. Très souhaitable! Qu'elle a toute la mine de faire un bon mariage. Sans doute! Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle. Assurément! Il y a une petite difficulté. J'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que si on ne peut pas trouver tout le bien qu'on peut souhaiter... Vous tâchez de regagner ça sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous trouver dans mes sentiments, car son maintien honnête, sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Quoi? Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui, vous? Vous? Ah oui, moi. Mais que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Oh, ça sert à rien. Allez vite dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire. Ah, ne voilà pas de ces damoiseaux floués qui n'ont pas plus de vigueur que les poules. Voilà, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Frère, je destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, toi, je te donne au Seigneur Anselme. Seigneur Anselme? Ouais, un mûr, prudent, sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet. Et avec votre permission, vous l'épouserez. Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Ah, cela ne sera pas, mon père. Dès ce soir, ma fille. Non. C'est... Non, vous dis-je. C'est, Bonnie. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Mais je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Je ne te tuerai point. Et tu l'épouseras. Vous voyez quelle audace? T'as jamais vu une fille parler de la sorte à son père? A-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire.
Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà, Valérie. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? Oui, j'y consens. T'en rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valérie. T'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux lui donner ce soir pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis... Ouais. Ben quoi? Oh, je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment et que vous ne pouvez que vous n'ayez raison. Ah. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait et Comment? Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, riche, posé et fort accommodé. Et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Ça aurait été de mieux rencontrer. Cela est vrai. Mais... Elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses et qu'il faudrait au moins quelques temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec... C'est une occasion qu'il faut vite prendre aux cheveux. Et je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il s'engage à la prendre sans tort. Sans dot. Voyez-vous, je ne dis plus rien. Voilà une raison tout à fait convaincante. Il faut se rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne rencontre point de contradiction. Mais il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Vous avez raison, voilà qui décide tout, cela s'entend. Mais il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard. Et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. S'entend. On le sait bien. Qui diantre peut aller la contre? Mais ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt et qui chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie. Sans dot. Oh, il est vrai. Voilà qui ferme la bouche à tout. Sans dot. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. N'est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez, je reviens tout à l'heure. Mais vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites? C'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout. Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant. Et ce mariage, Valère? On cherchera des biais pour le rompre. Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir? Eh bien, il faut demander un délai. Et puis feindre quelques maladies. Mais on découvrira la feinte si l'on appelle des médecins. Non, vous moquez-vous. Bon, enfin, ils connaissent-ils quelque chose, cela? Oh, allez, allez, vous pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira. Ah, ça, ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Ça n'est rien. Enfin, belle Élise, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour est capable d'une fermeté... Ah oui, 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 oui. Hein? Il faut qu'une fille obéisse à son père. Elle ne doit pas regarder comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de Chanda s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Oh, bien parlé cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Mais comment, j'en suis ravi. Je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Tu as beau fuir, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Eh bien, après cela, résistez à mes remontrances. Ouais. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais.
Tu m'obligeras, certes. Oh, il est bon de lui mettre un peu la bride haute. Ouais, t'as raison, il faut. Oh, ne vous mettez pas en peine. Je crois que j'en viendrai à bout. Fais. Je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. Mais ah, il sait ce que c'est que de vivre lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot. Hein? On ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Ah, heureux, heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Traître que tu es, où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je pas donné ordre? Oui, monsieur, je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi. Et j'ai couru le risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père amoureux? Oui, et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle mamie. Lui se mêler d'aimer. De quoi s'avise-t-il? Se moque-t-il du monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Pour lui donner moins de soupçons. Et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'a-t-on faite? Oh, ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. Et il faut essuyer d'étranges choses quand on en est réduit à passer comme vous par les mains des fesses Mathieu. L'affaire ne se fera point. Pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous et il affirme que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande? Oui! Mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez si vous avez dessein que les choses se fassent. T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, ma foi, monsieur, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. Et ce sont mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom. Et on doit aujourd'hui l'aboucher par vous dans une maison empruntée pour y être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille. Et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles. Et principalement notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Voici quelques petits articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être donnés, avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ses sûretés et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras, on fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qu'il se pourra et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18, parbleu, voilà qui est honnête, il n'y a pas lieu de se plaindre. Cela est vrai. Mais, comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur s'engage à cet emprunt, sans préjudice du reste, entendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Comment diable ? C'est plus qu'au denier 4. Il est vrai. C'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus. Que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent et il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose? Oui, juste un petit article. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1 000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire et que le dit prêteur a mis au plus modique prix qu'il lui a été possible. Que veut dire cela? Ah. Écoutez le mémoire. «
Premièrement, un lit de 4 pieds à bandes de poids de Hongrie appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive avec 6 chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un taffetas. Que veut-il que je fasse de cela ? Attendez. Plus une grande table de bois de noyer avec 12 colonnes ou piliers tournés qui se tirent par les deux bouts. Mais qu'ai-je à faire, morbleu ? Et donnez-vous patience. Plus 3 gros mousquets, tous garnis de nacre de perles avec les 3 fourchettes assortissantes. Plus un fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients, fort utile à ceux qui sont curieux de distiller. J'enrage ! Doucement, plus un luth de Bologne avec toutes ses cordes où peu s'en faut. Plus un damier avec un jeu de loi, fort propre à passer le temps lorsque l'on n'a que faire. Plus une peau d'un lézard de 3 pieds et demi remplie de foin. Curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre. Le tout bien conditionné, valant loyalement plus de 4500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Que la peste l'étouffe avec sa discrétion, le traître, le bourreau qu'il est. A-t-on jamais parlé d'une usure semblable ? Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à apprendre pour 3000 livres les vieux rogatons qu'il ramasse ? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Et cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut, car il est en état de me faire tout accepter, et il me tient, le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise, dans ce grand chemin, justement, que prenait Panurge pour se ruiner. Prenant argent comptant, achetant cher, revendant à bon marché, et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse ? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et l'on s'étonne, après cela, que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilainie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort patibulaires, et parmi mes confrères qui se mêlent de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler doucement de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle. Et le vôtre me donnerait, par ses procédés, la tentation de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent d'en trouver. Et il en passera par tout ce que vous en prescrirez. Et croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y a rien à péricliter ? Connaissez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez ? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous serez de toutes choses éclairci par lui-même. Et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà, et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. Ah. C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. Qu'est-ce ceci ? Maître Simon qui parle à votre père. Lui aurait-on appris qui je suis ? Serais-tu pour nous trahir ? Vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant ? Ce n'est pas moi, monsieur, au moins, qui leur ai découvert votre nom et votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Non, ce sont des personnes discrètes. Et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Comment ? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment ? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment ? Monsieur est la personne... Comment ? Oh ! C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités ? Comment, mon père ? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions ? Comment ? C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables ? Comment, c'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles ? Mais on subit après cela paraître devant moi !
Posez-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde. N'as-tu pas de honte, dis-moi, d'en venir à de pareilles débauches, de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents ont amassé avec tant de sueur. Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu. Entonne mes yeux, coquin, entonne mes yeux. Qui est plus criminel, à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, Antonis! Retire-toi! Et ne m'échoue pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure. Et ce m'est avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ces actions! Monsieur! Tac! Ne bougez. Je reviens tout à l'heure. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il y ait un ample magasin de hardes. Car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. Hé hey, c'est toi, mon pauvre La Flèche? Mais d'où vient cette rencontre? C'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puisse avoir. Oh, tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. Ah, aurais-tu quelque commerce avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère récompense. De lui? Tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Mais tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Ah, il n'est point de service qui ne pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de la considération, de l'amitié en parole. Et de la louange, autant qu'il vous plaira, mais de l'argent, point d'affaire. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qu'il a tant d'aversion, qu'il ne dit jamais. Mais je vous prête le bonjour. Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur. De trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus. Mais d'une turquerie à en désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever qu'il ne branlerait pas. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel. C'est lui percer le cœur. C'est lui arracher les entrailles. Et je l'entends qui vient. Je me retire. Eh bien, Frosine, qu'est-ce? Oh, mon Dieu! Que vous vous portez bien! Et que vous avez là un vrai visage de santé! Qui, moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard! Tout bon? Oh ben comment? De votre vie, vous n'avez été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Ah, il est vrai, il est vrai. Mais 20 années de moins ne ferait point de mal, que je crois. Hein. Mais vous moquez, vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans. Oh, tu le crois? Oh, assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Ah, tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Oh, mon Dieu, mais quelle ligne de vie!
Comment? Mais enfin, ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh bah, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 120. Bah, est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants... Ah, tant mieux! Rosine, comment va notre affaire? Oh, faut-il le demander? Et me voit-on mêler de rien dont je ne viens à bout? Oh, j'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Comme j'ai commerce chez elles, je les ai à fond, l'une et l'autre, entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère, le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Frosine, à donner souper au seigneur Anselme, mais et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison, elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour ensuite venir au souper. Eh bien, irons ensemble, dans mon carrosse, que je leur prêterai. Eh bien, voilà justement son affaire. Dis-moi, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallut qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore, n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Ah bah oui! Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes. Et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommer esquis. Outre cela, elle n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Et j'en sais une qui a perdu 20 000 francs cette année. 20 000 Ah, oui, oui, oui. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an. Et 4 000 francs en habits et bijoux. Cela fait 9 000 livres. Et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture. Ne valait-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Cela n'est pas mal. Mais ce contrat n'est rien de réel. Oh, pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fonds de haine pour le jeu? Mais c'est une raillerie que de vouloir faire constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne ferait pas. Et je n'irai point donner quittance de ce que je ne reçois pas. Il faudra bien que je touche quelque chose. Oh, mais mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Il faudra voir cela. Frosine, il y a encore une petite chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu le sais. Et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne recherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela vienne à provoquer chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient guère. Oh, comme vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Non. Et elle n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oh oui, elle! Oh! Oh, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut supporter du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Oh, les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Oui, il n'y a pas 4 mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant ne fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Mais ce serait seulement... Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes.
Cela est admirable. Oh, ah, je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Oh ben, je le crois bien. Voilà de belles drogues que ces jeunes gens pour les aimer. Oh, ce sont de beaux morveux, de beaux goudelureux pour donner envie de leur peau. Pas moi, je ne comprends point. Je ne sais pas pourquoi il y a des femmes qui les aiment tant. Oh, ils vont être falsifiés. Non, mais trouvez la jeunesse aimable. Est-ce avoir le sens commun? Sens des hommes que ces jeunes blondins. Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Non, c'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule d'été, leurs trois petits brins de barbe, relevés en barbe de chapouf, leur perruque d'étoupe, leurs hautes choses sous tombant, et leur estomac débraillé. Oui, les et cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Oh, il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien. Bah comment? Oh, vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé libre et dégagé comme il faut et qui ne marque aucune incommodité. Oh, j'en ai pas, grand Dieu. Merci. Il y a ma friction qui me prend de temps en temps. Oh, cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal. Et vous avez grâce à tousser. Ah, mais dis-moi, Frosine, Marianne, ne m'a-t-elle point vu, n'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non. Oh. Mais nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne. Et je n'ai pas manqué de lui parler de votre mérite et de l'avantage que ça lui serait d'avoir un mari comme vous. Oh, tu as bien fait. Et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous seriez pratiquement pour le gain de ce que si vous avez quelques bontés pour moi. Oh, 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 vous ne sauriez croire, monsieur. Oh, le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, 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 comme vous lui plairez. Et que votre col à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de vos hauts de chausses. Attaché au pourpoint avec des aiguillettes. Oh, 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 c'est pour la rendre folle de vous. Tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès est d'une conséquence tout à fait grande. Si je venais, si je le perds et quelques petites assistances, je rétablirais mes affaires. Oh, oh. Oh, je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Oh, tu as bien fait, Frosine, je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Oh, mais je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je serai éternellement obligé. Je vais achever mes dépêches. Mais je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je donnerai ordre que mon carrosse soit prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai point si je ne m'y voyais forcé par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour vous ne point faire malade. Oh, je vous prie, monsieur, de ne me refuser point la grâce dont je vous sollicite. Oh, oh, vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir qu'elle aura de vous. Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain, tous les diables. Ah. Oh, le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation, car j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis sûre de tirer bonne récompense.
Voilà, voilà ça tous. Que je distribue mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi. Bon, allez. Dame Claude, rapprochez, commençons par vous, puisque vous voilà les armes à la main. Alors, je vous commets au soin de nettoyer partout. Mais surtout, prenez garde de point frotter les meubles trop fort de peur de les user. Outre cela, je vous constitue durant le souper au bon gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en égare quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, ben je m'en prendrai à vous et la rabattrai sur vos gages. Châtiment politique. Bon, vous, Branavoine, je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire. Mais attention, seulement lorsque l'on aura soif. Et non pas selon la coutume de certains impertinents valets qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsque l'on n'y songe pas. Attendez toujours qu'on vous en demande plus d'une fois. Et ressouvenez-vous de porter toujours beaucoup. Oh, beaucoup d'eau. Ouais. Et le vin pur monte à la tête. Inquiétons-nous de nos sécnies, monsieur. Eh oui, quand vous verrez venir les personnes. Mais gardez-vous de gâter vos habits. Ah, vous savez bien que j'ai mon autre chose tout trouvé par derrière. Et qu'on voit, hein. Révérence parler. Ah, paix. Oh là là. Rangez ça adroitement du côté de la muraille. Et présentez toujours le devant au monde, comme ceci. Voilà. Allez, hop! Oh! Ah. Vous, ma fille. Ma fille, vous aurez l'œil sur tout ce que l'on desservira et prendrez garde qu'ils s'en fassent aucun dégât. Ça, c'est bien nos filles, ça. Hein? Préparez-vous cependant à bien recevoir ma maîtresse qui doit vous venir visiter pour vous mener avec elle à la fois. Attendez-moi ce que je voulais. Oui, mon père. Et vous, mon fils, le damoiseau à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, bon père, mauvais visage, et par quelle raison? Ah, mon Dieu, nous savons le train des enfants dont les parents se remarient. De quel œil? Ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous voulez que je perde le souvenir de votre dernière fredaine, je vous recommande de régaler d'un assez bon visage cette personne-là, et de lui faire enfin le meilleur accueil qui vous sera possible. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre de me réjouir qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais. Mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde, au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. Vous ferez sagement! Tiens. Ah, Valère, aide-moi à ceci. Au sein, maître Jacques! Approchez-vous, je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Oui, mais à qui des deux le premier? Au cuisinier! Oh! Attendez donc, s'il vous plaît. Quel diantre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Bon. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir un souper. Oh! Grande merveille! Alors, dis-moi un peu, hein, nous feras-tu bonne chère? Ah, oui! Si vous me donnez bien de l'argent... Là, que diable, de l'argent, de l'argent! Il semble qu'il y ait autre chose à dire! Il a que ce mot-là à la bouche! L'argent, 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 l'argent! Toujours parler d'argent! J'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Oh, ben voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est la chose la plus aisée du monde. Il n'y a pas si pauvre esprit qui en fit bien autant. Et pour agir en habile homme, il s'agit de faire bonne chère avec peu d'argent. Hein? Bonne chère avec peu d'argent? Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur votre intendant, qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Je veux que tu me répondes! Combien serez-vous de gens à table? 8 ou 10. Il faudra prendre à manger que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend.
Eh bien, il vous faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, entrée... Commandant, mais voilà de quoi traiter toute une ville entière. Rôti... Entrée, tu manges tout mon bien. Entrée... Non mais encore! Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table trop remplie de viande. Que pour se bien montrer ami des gens que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas que l'on donne. Et que selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que je n'ai entendue de ma vie. Oh ! Il faut vivre pour manger et non manger pour... Et comment est-ce que tu dis ? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Entends-tu ? Qui est le grand homme qui a dit cela ? Oh, je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je veux les faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Monsieur, quant à votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère mais qui rassasient d'abord. Hein. Quelques bons gros haricots bien gras, hein, ou alors quelques pâtés en pot bien garnis de marron, ça foisonne. Hein. Reposez-vous sur moi. Bon, allez, maintenant, maître Jacques, faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Bien, donc alors 4 pâtés. Ah, bon, alors 3 pâtés. 2 pâtés. Vous dites ? Je dis qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour mener à la foire. Vos chevaux, monsieur ? Ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point. Et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien malades. Ils ne font rien. Et pour ne faire rien, monsieur, est-ce qu'ils ne font rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup et de manger de même. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux, qu'il me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours pour eux les choses de la bouche. Et c'est être, monsieur, d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Enfin, le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Mais comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse qui ne peuvent même pas se traîner eux-mêmes? Bien, monsieur, j'obligerai donc le voisin, le Picard, à se charger de les conduire. Mais aussi nous fera-t-il besoin ici pour apprêter le souper? Soit! J'aime mieux encore qu'il meure sous la main d'un autre que sous la mienne. Maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Dehors ! Paix ! Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois que tout ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain et le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'enrage de cela. Et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous. Car enfin, je me sens pour vous de la tendresse en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux... Vous êtes la personne que j'aime le plus.
Pourrais-je savoir, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi ? Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâche à point. Non, non, pas du tout, au contraire. Pardonnez-moi, mais je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Non, point du tout, au contraire, et c'est me faire grand plaisir d'apprendre comment on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers afin de profiter des jeunes ou vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là compte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci, quand vous surprit une nuit, en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton, dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, vous voulez qu'il vous dise? Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais l'on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse Mathieu. Vous êtes un sot, un malin, un coquin. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. On les a parlé. Eh bien, à ce que je puis voir, monsieur Maître Jacques, on paie mal votre franchise. Hein? Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'importance, ça n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera, et ne venez point rire des miens. Oh, oh monsieur Maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Ah, oh, il file doux. Je vais faire le brave. Et s'il est assez saoul pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Hey, doucement. Comment doucement? Mais il ne me plaît pas à moi. Grâce, vous êtes un impertinent. Non, monsieur Maître Jacques. Il n'y a pas de monsieur Maître Jacques pour un double. Et si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment, un bâton? Aïe, 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 ne parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur le fat, que je suis homme à vous rosser vous-même? Je n'en doute pas. Et que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier? Je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore? Pardonnez-moi. Vous me rosserez, dites-vous? Je le disais en raillant. Ah, mais moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. Aïe! 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 Apprenez, Maître Jacques, que vous êtes un mauvais railleur. Ah, peste soit la sincérité! C'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce et ne veux plus dire vrai. Ah, passe encore pour mon maître. Il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je le puis. Savez-vous, Maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Ça, je ne sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Oh, que je suis prosine dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous. Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose prosine dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait... Je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Mon Dieu! Tous ces jeunes blondins sont agréables et débitent bien leurs faits. Mais la plupart d'entre eux sont gueux comme des rats.
Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Bon, je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis. Et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable, qui réparera toute chose. Oh, mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire lorsque, pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Mais vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ça doit être là un des articles du contrat. Oh, il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Oh, le voici en train de faire ça. Oh, Frosine, quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle, hein, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux et sont assez visibles de même. Et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays. Des astres. Prosine. Elle ne dit mot. Et me témoigne, ce me semble-là, aucune joie de me voir. Oh, c'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison, tu as raison. Ah, voilà ma fille adorable mignonne qui vient vous faire la révérence. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande, hein, mes mauvaises herbes croient toujours. Oh, l'homme déplaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Oh. Je vous suis trop obligée, adorable mignonne. Quel animal. Oh, je vous remercie pour ce compliment. Je n'ai plus tenir. Ah, voilà mon fils également qui vient vous saluer. Oh, Frosine, quelle rencontre. C'est justement celui dont je t'ai parlé. Ah, l'aventure est merveilleuse. Oh, je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants. Non, mais rassurez-vous. Je serai bientôt défait de l'un et de l'autre. À vous dire le vrai, madame, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessein qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Ah. Et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi, et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Enfin, vous voulez bien que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cette hymen ne se ferait point. Un compliment bien impertinent, quelle belle confession à lui faire! Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales, et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir. Et si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. Elle a raison, elle a raison. À ce compliment, vos réponses de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore les conséquences des paroles qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a pas du tout offensée, au contraire. Il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte.
Et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. Oh, c'est trop de bonté à vous que de vouloir excuser ainsi ses fautes, mais vous verrez, le temps le rendra plus sage, il finira bien par changer de sentiment. Non, mon père, je ne suis pas capable d'en changer, et je prie instamment, madame, de le croire. Qui extravagant, c'est continuer encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisqu'il faut que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père. Et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité, que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse, et les obstacles les plus puissants... Oh, doucement, mon fils, s'il vous plaît, hein. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Alors, mon Dieu, j'ai une langue. J'ai pas besoin d'un avocat comme vous. Allez, allez, donnez des sièges. Non, non, il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire afin de revenir plus tôt. Bon, bah alors, qu'on mette dans les chevaux au carrosse. Oh! Je vous demande pardon, ma belle, si je n'ai songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père. Et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'orange de la Chine, oh, de citron doux et de confiture que j'ai envoyé quérir de votre part. Ah, ah oui, là, il a perdu le sens, là. Oui, ça... Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Hein? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il vous plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyez de près. Non. Il est fort beau, sans doute, et jette quantité de feu. Nenny, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous fait. Moi? N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Belle demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Moi, je ne veux point. Vous moquez-vous, il la garde de le reprendre. Oh, de grâce. Non, vous dis, je sais l'offenser. Oh, ce serait... Quoi du tout? J'enrage. Le voilà qui se scandalise de votre refus. Peste soir. Vous voyez qu'il se désespère. Pour tuer. Mon père, ce n'est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder. Comme il est obstiné. Pondard. Vous êtes preuve, madame, que mon père me querelle. Vous le ferez tomber malade? De grâce, madame. Ne résistez point davantage. Mon Dieu, que de façon! Mais gardez la bague, puisque monsieur le veut. Pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur! Hey! Il y a là un homme qui veut vous parler. Eh bien, dis-lui que je suis empêché qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon, je reviens tout à l'heure. Ah, monsieur! Ah, oh, 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 ah, je suis mort. Qu'est-ce, mon mort. Père? Vous avez-vous fait mal? Le traître. Le traître a certainement reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Eh non, ça ne sera rien. Monsieur, je vous demande pardon, je croyais bien faire d'accourir vite. Mais que viens-tu faire ici, bourreau? À vous dire que vos deux chevaux sont déferrés. Eh bien, qu'on les mène promptement chez le maréchal. En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin où je ferai porter la collation. Sur tout ceci, je te prie. Et prends soin de m'en sauver le plus que tu pourras en le renvoyant au marchand. C'est assez. Oh, oui, oui, oui.
Oh, fils impertinent! As-tu envie de me ruiner? Rentrons ici. Nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect et nous pouvons parler librement. Oh oui, madame. Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureux gens l'un et l'autre de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Que veux-tu ? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi ? Mais, charmante Marianne, quelles résolutions sont les vôtres ? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions ? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits ? Mais que voulez-vous que je fasse ? Quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé, j'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême et je ne saurais me résoudre à lui causer du déplaisir. Mais faites, agissez auprès d'elle. Employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine. Ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir ? Oh, par ma foi, faut-il le demander ? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze. Oh, et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois des gens qui s'entraiment. Tout bien et en tout honneur. Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable et peut-être pourrions-nous la résoudre et la gagner à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve est que votre père est votre père. Cela s'entend ? Non, mais je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse et qu'il ne sera ensuite pas d'humeur à donner son consentement à votre mariage. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche. Et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, de ces douces prières et de ces caresses touchantes à qui je suis persuadée qu'on ne saurait rien refuser. Je ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas guère. Y aurait-il quelque mystère à mettre sur... Voilà mon père. Le carrosse est tout prêt. Vous pourrez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Où ça ? Intérêt de belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne ? Ce qui m'en semble ? Hein ? Sa taille, sa beauté, son esprit. Là, là. Mais encore. À vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Non. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Ah, tu lui disais tantôt pourtant... Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi ? Pas du tout. J'en suis fâché. Ça rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. Oui, j'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge et j'ai songé qu'on pourra trouver hardir de me voir marier à une si jeune personne. Et cette considération m'en faisait quitter le dessein. Mais comme je l'ai fait demander que je suis pour elle, engagé de parole,
te l'aurais donné. Sans la version que tu témoignes. À moi ? En mariage ? Oui, en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût. Mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez. Moi ? Non, je suis plus raisonnable que toi. Je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être reviendra ensuite. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, il ne faut pas forcer la chose. Oh, non. Et ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Ah, bien sûr, si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous dévoiler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade. Que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Avez-vous rendu visite ? Oui, mon père. Beaucoup de fois ? Assez pour le temps qu'il y a. Vous êtes-on bien reçu ? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais, et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser ? Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. Et la mère, a-t-elle entendu pour sa fille votre proposition ? Oui, fort civilement. Et la fille, correspond-elle fort à votre amour ? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'apprendre un tel secret. Et voilà justement ce que je te demandais. Ce mauvais saint. Savez-vous ce qu'il y a ? Ce qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour. À cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi. Et à vous marier là un peu, avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez ? Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne. Comment, Pondard ? Tu as l'audace d'aller sur mes brisées ? C'est vous qui allez sur les miennes, et je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père ? Et ne dois-tu pas le respect ? Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père. Et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien connaître, moi, à beau coup de bâton. Vos menaces ne feront rien. Pour nous, on sera à Marianne. Pas du tout. Donnez-moi un bâton, tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ceci ? À quoi songez-vous ? Je me moque de cela. Ah, monsieur, doucement. Me parlez avec cette impudence. Non, monsieur de grâce. Je n'en demanderai point. Et quoi, votre père ? Laisse-moi faire. Et quoi, votre fils ? Encore passe pour moi. Je veux te faire toi-même maître, Jacques. Juge de cette affaire pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Mais éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je vais épouser.
Et Pandara, l'insolence d'y prétendre malgré mes ordres. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable? Un fils qui veut entrer en concurrence avec son père, et ne doit-il pas par respect s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler et demeurez là. Eh bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point. Il ne m'importe qui ce soit. Et je veux bien aussi me rapporter à toi, Maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Oh, il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte à son âge de songer à se marier? Lui sait-il bien d'être amoureux? Et ne doit-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Et il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit. Qu'il ne s'est emporté, oh, que dans la première chaleur. Et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qui vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites. Et lui donner quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Dis-lui que moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi. Et que hors, Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère. Il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez pourvu que vous vouliez vous y prendre dans la douceur et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, Maître Jacques, tu lui peux assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes, et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Et ben voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué. Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble. Vous voilà d'accord maintenant, et vous alliez vous quereller faute de vous entendre. Mon pauvre Maître Jacques, je te serais obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Ah! Me fait plaisir, Maître Jacques. Oui, et cela mérite une récompense. Bah, je m'en souviendrai, je t'assure. Je vous baise les mains. Je demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Ce n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants, lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi ? Ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances ? C'est une chose où tu m'obliges, par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusqu'aux eaux tombeaux, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y a aucune chose que de moi tu n'obtiens. Ah, oh, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qui est-ce qui te parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père. Moi. Sans doute. Oh. Oh, c'est toi qui
Il a promis d'y renoncer. Moi, y renoncer? Oui. Pas du tout. Comment? Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, j'ai supporté plus que jamais. Quoi? Pandard! D'or, chef! Rien ne peut me changer! Laisse-moi faire! Faites tout ce que vous voulez! Je te défends de me jamais voir! À la bonne heure! Je t'abandonne! Abandonné! Je te renonce pour mon fils! Soit! Je te déshérite! Tout ce que vous voudrez! Et je te donne ma malédiction! Je n'ai que faire de vos dons! Monsieur, que je vous trouve à propos, suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien. Comment? Voilà votre affaire. Quoi? J'ai guigné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment tu fais? Suivez-moi. Je l'entends crier. On m'a tiré mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Que ferais-je pour le retrouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Rends-moi mon argent! Mais rends-moi mon argent! Tu vas rendre mon argent! Rends-moi mon argent! Mais rends-moi mon argent! Rends-moi mon argent! Rends-moi mon... Mon esprit est troublé. Seigneur, où je suis, qui je suis et ce que je fais. Mon pauvre Arjot, mon cher ami, puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Il m'est impossible de vivre! Ah, c'en est fait. Je n'en puis plus! Je me meurs! Je suis mort! Je suis enterré! Il y a quelques personnes qui veulent me ressusciter. En me rendant mon argent. Hein? Ou en m'apprenant qu'il a pris. Hein? Il faut qu'il se soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de sang on était pieds d'heure,
Il en a justement choisi le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fille, à fils. Et à moi aussi. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Mais tout me semble être mon voleur. Où est-ce qu'on parle, là ? De celui qui m'a dérobé ? Quel bruit fait-on là-bas ? Est-ce mon voleur qui y est ? Cette nouvelle de mon argent. Je supplie qu'on le maudisse. N'est-il point là? Caché parmi vous. Ils me regardent tous. Et se mettent à rire. Mais vous verrez sans doute qu'ils ont pris part au vol que l'on m'a fait. Alors, des commissaires, des archers, des gênes, des potences, des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Fais-moi faire, je sais mon métier. Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1 000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si j'en trouve mon argent, je demanderai justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette... Mais 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus? Mais oui, 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelle espèce était cette somme ? En bon louis d'or et pistoles bien trébuchantes ! Qui soupçonnez-vous de ce vol ? Tout le monde. Surtout lui. Et je veux vous arrêter la ville et les faubourgs. Il faut, si m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après par la rigueur au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir, qu'on me l'égorge tout à l'heure. Qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui, celui qui m'a dérobé ? Non, je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Mais les porcs sont soleils, voilà monsieur à qui faut parler de notre affaire. Ne vous épouvantez point, je suis homme à ne vous point scandaliser et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper ? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je vous montrerai tout ce que je sais faire et vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Ah, maîtresse, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me donnes des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Et je m'en vais te pendre, c'était malheureux. Ah, mon Dieu. Ne le maltraitez pas. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme, et que sans se faire mettre en prison, il nous dira ce que nous voulons savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal, et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. Hein ? On lui a pris aujourd'hui son argent. Il n'est pas que vous sachiez quelques nouvelles de cette affaire, hein ? Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori. Et l'on n'écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu ruminé ? Laissez-le faire. Il se prépare à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur ? Ouais. Si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Alors ? Oui. Lui qui me paraît si fidèle ? Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé.
Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Bah, je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez... Ah oui, là, tu veux rôler autour de lui où j'avais mis mon argent? Ah oui, vraiment. Où était-il, votre argent? Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Ah! Et dans quoi cet argent était-il? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment elle est faite? J'irais bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite comme une cassette. Mais cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour voir. C'est une grande cassette. Ah bah non, celle qu'on m'a volée, petite. Oh oui, oh, petite, si on veut le prendre par là. Mais moi, je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? Ah oui, de quelle couleur? De quelle couleur? Oui, oui. De quelle couleur? Ben, d'une certaine couleur. Sauriez-vous m'aider à dire... N'est-elle pas rouge? Ah non, grise. Eh oui, gris, rouge, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de doute, c'est elle, assurément. Allons, monsieur, écrivez sa déposition. Au ciel, on ne sait plus désormais à qui se fier. Mais je crois, après cela, moi, que je suis homme à me voler moi-même. Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire que c'est moi, au moins, qui vous ai découvert cela. Babouche. La confesse est l'action la plus noire. La totale plus horrible qui ait jamais été commise. Que voulez-vous, monsieur? Comment traiter une rogée pas ton crime? Quoi? Mais de quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? Infâme, comme si tu ne savais pas ce que je veux dire! C'est en vain que tu pourrais être en rage déguisé, car le même m'apprendre tout, l'affaire est découverte. Quoi, abuser assez de ma confiance? S'introduire exprès chez moi? Pour me trahir? Pour me jouer à tour de cette nature? Bien, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Oh, oh, aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler, mais je voulais pour cela attendre des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Mais quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Oh non, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable? Un guet-apens? Un assassinat de la sorte? Oh, de grâce, ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Quoi? Le mal n'est pas si grand que je le fais? Quoi? Mon sang, mes entrailles. Bon, votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. Mais c'est bien mon intention et que moi, c'était ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Mais pour que son honneur là-dedans. Mais dis-moi donc un peu, qui t'a porté à cette action? Oh, hélas, me le demandez-vous. Oui, là, je le demande, là, oui. Un dieu qui porte les excuses de ce qu'il fait faire. Hein? L'amour. L'amour. Hey, l'amour. 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 L'amour, l'amour, l'amour. Bel amour, oui. L'amour de mes louis d'or. Oh non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien de tous vos biens, oh, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Hein? Mais c'est effroyable. Vous voyez quelle impertinence de devoir retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous ça un vol? Comment ça, si j'appelle ça un vol? Un trésor comme celui-là? Oui, un trésor, il est vrai. Et le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de grâce. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Je ne fais rien qu'à dire cela. Nous nous sommes promis une foi mutuelle. Nous avons fait serment de ne nous point abandonner. Oh, le serment est admirable et la promesse est plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre, à jamais. Mais vous en empêcherez bien, je vous assure. Non, rien que la mort ne nous peut séparer. Mais c'était trop bien endiablé après mon argent! Oh, monsieur, je vous ai déjà dit que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez, j'ai par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Mais j'ai mes très bon ordre et la justice, pendant à réfronter, me va faire raison de tout! Eh bien, vous en userez comme vous voudrez, me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qui l'en faut accuser, et que votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable. Oh ben ça, je crois bien vraiment. Alors bien, ce serait bien étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire, et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi, je ne l'ai pas enlevée, elle est encore chez vous. Sa cassette, elle n'est point sortie de ma maison. Non, monsieur. Oh!
Mais dis-moi donc un peu. Tu n'y as point touché. Moi, y toucher? Oh, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. C'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. Brûlée pour ma cassette. J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Mais mon Dieu, ma cassette. Il parle d'elle comme d'un amant d'une maîtresse. Dame Claude, c'est la vérité de cette aventure, elle vous peut rendre témoignage. Quoi? Ma servante est complice de la paire? Oui, elle a été témoin de notre engagement. Mais c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille à me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer, Edith? Que nous brûles-tu ici de ma fille? Je vous dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. C'est seulement depuis hier qu'elle a pu consentir à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Quoi? Ma fille, t'as signé une promesse de mariage? Oui. Comme de ma part, je lui en ai signé... une. Oh ciel! Autre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez! Regrégement de mal sur croix de désespoir, non, monsieur! Faites-le du de votre charge! Et dressez-lui son procès comme larron! Et comme subordeur! Alors, ce sont des noms qui ne me sont point dus! Et lorsqu'on saura qui je suis! Ah, fille impertinente! Fille indigne d'un père comme moi! C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données! Et que tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme! Et que tu ne m'engages ta foi sans mon consentement! Et vous serez trompés l'un et l'autre. Quatre bonnes murailles me répondront de ta conduite et toi, une bonne potence me fera raison de l'audace! Mais ce ne sera pas votre passion qui jugera l'affaire et l'on m'écoutera au moins avant que de me condamner! Mais je suis abusé de dire une potence, tu sais! Tu seras roué! Tout vif! Ah, mon père! Sentiments un peu plus humains, je vous prie, et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau. Tout cela n'est rien. Il fallut bien mieux pour moi qu'il te laissa noyer que de faire ce qu'il a fait. Mais mon père, par l'amour paternel... Non, je ne veux rien entendre. Il faut que la justice fasse son devoir. Tu me paieras mes coups de bâton. Voici un étrange embarras. Mais qu'est-ce, Seigneur Harpagon? Je vous vois tout ému. Oh, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voilà bien du désordre et du trouble au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans l'honneur, on m'assassine dans le bien. Et voilà un traître, un scélérat, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et me suborner ma fille. Mais qui songe à votre argent dont vous me faites un galimatias? Oui, ils se sont donnés l'un à l'autre une promesse de mariage. Mais cet affront vous regarde, Seigneur Anselme. Oh, mais oui. Mais oui, c'est vous qui devez vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de ne rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser, ainsi que les miens propres. Et voilà, monsieur, qui est un honnête commissaire et qui n'oubliera rien, à ce qu'il m'a dit, de la fonction de son office. Non, monsieur, hein. Chargez-le comme il faut et rendez les choses bien criminelles. Oh, je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Lorsqu'on saura qui je suis, et sachez que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau.
Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu. Et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à ne rien craindre. Et si tout Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Albercy. Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je me soucie ni de Don Thomas ni de Don Martin. Mais de grâce, monsieur, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui ? Oui. Allez, vous vous moquez, cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir. Et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler. Ceci n'est pas une imposture et je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier. Quoi ? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Albercy ? Oui, je l'ose et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec sa femme et ses enfants en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Mais apprenez pour vous confondre, vous, que ce fils âgé de 7 ans avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage. Et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Mais quel témoignage encore, autre que vos paroles, vous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous avez bâtie sur une vérité ? Le capitaine espagnol. Le cachet de rubis qui était à mon père. Le bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras. Le vieux Pedro, ce domestique qui fut sauvé avec moi du naufrage. Hélas ! À vos paroles, je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point. Et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur ? Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche. Et notre mère, que vous allez ravir, m'a mille fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point périr aussi dans ce triste naufrage. Mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté. Nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en ces lieux où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Au ciel ! Quels sont les traits de ta puissance ? Et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants. Et mêlez vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père, vous? C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, ma fille, oui, mon fils. Je suis Don Thomas d'Albercy. Que le ciel garantit des Andes avec tout l'argent qu'il portait, qui, vous ayant tous cru mort pendant plus de 16 ans, se préparer après de longs voyages à chercher dans l'hymen d'une sage et douce personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours. Ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué ici où, sous le nom d'Anselme, j'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là votre fils. Oui, oui. Eh ben, je vous prends un parti pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volé. Lui, vous avoir volé ? Lui-même ! Qui vous dit cela ? Maître Jacques ! Ah. C'est toi qui le dis. Vous voyez que je dis rien. Et voilà monsieur le commissaire qui a pris sa déposition. Enfin, pouvez-vous me croire capable d'une action aussi lâche ? Mais capable ou non capable, je veux avoir mon argent ! Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il ? Ne vous mettez point en peine, il est en lieu dont je réponds et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne ou de perdre votre cassette. On n'a trop rien douté. Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage.
et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi ce double méné. Il faut pas me donner conseil que je vois ma cassette. La voici, saine et entière. Je n'ai pas d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez à tous les frais de ces deux mariages? Oui, oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Ah oui, oui. Pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. Ah, d'accord. Bon, allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Oh là, doucement, oh là, tout doucement, messieurs. S'il vous plaît, qui me paiera mes écritures? Que faire de vos écritures? Oui, mais moi, je ne prétends pas les avoir faites pour rien. Eh bien, tenez pour votre paiement. Voilà un homme, là, que je vous donne un bon. Hélas, mais comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, on me veut pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous verrez dans le commissaire. Ah. Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère cassette.